Par ce geste, Issoufou Koulibaly, représentant le maire de la commune, lance les travaux de construction du village incubateur dénommé Yop Créalab, une sorte d'espace où la créativité pourra s'exprimer. Ce village est né de la collaboration du conseil municipal avec plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement. Objectif, permettre aux talents cachés en culture, en art, dans les domaines de recyclage, de la protection de l'environnement, du numérique, d'être encadré et de créer des entreprises pouvant impacter la société. Yop Créalab, qui est la première étape de ce rêve que nous avons imaginé ensemble avec la mairie, d'équiper Andokwa d'un espace qui sera un espace où la créativité de toute sa jeunesse, de sa population et des femmes pourra s'exprimer pour recréer ensemble une nouvelle identité d'Andokwa. Yop Créalab, ici à Andokwa, vient sédentariser un projet qui depuis 2 ans procédait par camion mobile pour dispenser la formation au numérique. Désormais, tous les talents désireux d'avoir des connaissances numériques ont un lieu où s'adresser. Ce centre sera équipé selon les besoins du domaine d'activité. Il est important qu'on puisse approprier ce projet, ce qui sortira en aval, des bâtiments qui permettront à nos jeunes d'exposer ou de développer leur savoir-faire. Pour le conseil municipal de Yopougon, ce projet va contribuer à la réduction du chômage des jeunes et des femmes, mais aussi à lutter contre la pauvreté dans la commune.